Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir chez vous, Pierre Bénichoux, Raphaël Mezrahi, Isabelle Alonso, Jean-François Derek, Elsa Fayer et Maureen Dor. Maureen, hein? Vous avez fort à faire, parce que c'est clair, vous êtes entouré par deux spécimens. Mais arrêtez! Elle n'a pas de bretelles. Non, ça se voit qu'elle n'a pas de bretelles, ouais. On les verrait. Hein. Oui, mais cinq minutes avant, il m'a dit que j'avais plus de ça non plus. Oh non, donc. Non. Essayez de relever le niveau par ici. Pierre Bénichoux, faites quelque chose. Non, moi vous êtes entouré par la fine fleur. Ben oui, justement, j'ai pas de bretelles, personne ne m'embête. Je comprends pas. Vous avez vu comment vous a gâté encore aujourd'hui, Pierre? Ça, je dois dire que je suis pas le plus malheureux. Petit vénard. C'est pas comme Maureen Dor. Alors là, elle m'a dit tout à l'heure que c'était le plus beau jour de sa vie, je te signale. Exactement. Pourquoi? Parce que je suis entourée des deux plus grands comiques français. Des deux plus beaux mecs. Après Eric et Ramzy. Après Eric et Ramzy. Je vais t'embrasser sur les joues, tu le mérites. Hein. Il est temps, je crois, de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Noël Mamère, suspendue de ses fonctions de maire de Bègles pendant un mois à cause du mariage homosexuel qu'il avait célébré. Bon, on le voit sur cette photo, il a essayé de venir quand même dans sa mairie en se cachant la moustache, mais on l'a reconnu quand même, Noël. En fait, à Bègles, certains prétendent que la vraie punition pour Noël Mamère, ça aurait été de le faire venir pendant un mois dans sa mairie. Isabelle? Moi, je crois que dans une trentaine d'années, quand le mariage gay sera quelque chose de totalement institutionnalisé, toutes les réactions contre ces mariages, les Pères Ben, les deux Villepin, seront dans tous les bêtisiers historiques et ma ça, mère sera un pionnier. Ah mais sûrement. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire comme connerie? De toute façon, c'est irréversible. Le mariage gay sera une réalité dans pas longtemps, c'est sûr. Irréversible, c'est pas le mot. Noël Mamère, en tout cas suspendu de ses fonctions pendant un mois, c'est un peu bête, parce que s'il avait su, il aurait organisé deux mariages gays, comme ça il aurait pu prendre juillet-août. En tout cas, c'est une bonne solution en cette période où les arrêts maladie injustifiés sont surveillés de près par Philippe Douste-Blazy, le ministre de la Santé. Eh bien voilà la solution. Si vous voulez un arrêt de travail pendant un mois, organisez un mariage gay. Moi, je veux dire un truc sérieux, Noël Mamère, il est très bien quand il parle d'écologie. José Bové, il est très bien quand il parle d'écologie. Moi, ce qui me dérange, c'est que les écolos en France, comme lui et Bové, s'occupent d'autres choses, ils se mêlent de choses qui ne les regardent pas trop. Donc, ils prennent des mesures draconiennes pour l'écologie, parce que voilà, ça, on en a vraiment besoin. Ils ont déjà rien à faire, en plus. Non, et, voilà, exactement, parce que les mariages gays, bon, bah, très bien, ils font ce qu'ils veulent, mais ça, qui s'occupe de ce qu'ils regardent, Noël Mamère, on s'en fout des mariages gays. Si les gens doivent faire ce qu'ils font de mieux, qu'est-ce qu'il va faire, Raffarin? Justement. Une autre photo, celle des manifestations EDF hier, un peu partout en France, et particulièrement cette photo où un salarié EDF brandit le compteur du domicile familial de Jean-Pierre Raffarin. Il a quand même pas de bol, notre Premier ministre. Déjà qu'il travaille dans l'ombre et que Sarkozy veut le court-circuiter, on comprend maintenant qu'il pense devenir président de l'UMP. C'est vrai, il y pense, il paraît. Parce qu'à l'UMP, c'est sûr, il n'y a pas de courant, c'est interdit. C'est même pour ça que M. François Bayrou, agent UDF, a refusé d'être privatisé. Rendez compte quand même, ils ont arraché le compteur des Raffarins. C'est dévissé. En plus, il a eu peur, et fait que Mme Raffarin, mère, continue à vivre là-bas, dans la maison à Chasse-Neuil du Poitou. Moi, je trouve ça très violent comme image. Oui. Je sais pas, et puis c'est une sorte de violation de domicile. Vous n'êtes jamais contente, vous. Alors, quand les grévistes emmerdent les gens qui prennent les trains de banlieue parce qu'ils touchent les usagers, vous n'êtes pas contente. Là, pour une fois, finalement, ils s'adressent et ils s'attaquent aux puissants, à ceux qui gouvernent. Moi, je trouve ça très bien. Pendant ce temps-là, nous, on est tranquille, on a l'électricité. Et puis c'est drôle. Et puis en plus, quand même, voilà, tout s'était cambriolé une fois dans sa vie. Moi, si on me disait, qu'est-ce qu'on m'a pris? Ma montre, mon argent, mes meubles? Non, le compteur. C'est quand même la meilleure nouvelle du monde. Allez, une autre photo, celle de la liste des 100 meilleures maisons de retraite que publie pour la première fois le journal Le Parisien. On avait l'habitude des 100 meilleurs hôpitaux, les 100 meilleurs restaurants, les 100 meilleurs lycées.
Eh bien, effet canicule oblige, pour la première fois, voici les 100 meilleures maisons de retraite. Michel Rocard fait la gueule, il a vérifié, le Parlement européen de Strasbourg n'y figure pas dans cette liste. Bon, il faudrait quand même pas qu'il y ait une catastrophe comme l'été dernier, parce que si ça continue à ce rythme-là, à la rentrée, c'est les 100 meilleurs cimetières qu'on va nous publier. Vous avez regardé la liste? Alors, ça oui, fout maman, la trouille. Hein. Pierre, on l'a regardé ce matin, la liste, ça fout la trouille. Quand on voit que les bons côtés des toutes premières maisons de retraite, pour la troisième, c'est la sortie au marché le dimanche. Oui. La sixième, c'est le système breveté de douche assis. Oui. Enfin, c'est quand même des choses qui ont l'air assez élémentaires. On s'attendait à des trucs un peu plus c'est créatifs. C'est pas joyeux, hein. Joyeux. Hein. C'est pas joyeux du tout, du tout. Ça rend triste. Il y a quand vraiment. Même une maison de retraite qui a quatre dentiers, enfin, j'ai vu. Non, mais c'est pas des étoiles ou des fourchettes, hein. C'est des... Je sais qu'elle est un peu triste, votre histoire, oui, Jean-François. Oui, elle est géniale. Mais vous aviez une belle histoire de maison de retraite qui concerne raconte. Vos parents. Elle est un peu triste, mais elle est très belle. Elle est formidable. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors bon, alors, c'est le décès de ma mère, c'est ça? Oui. Vous m'arrêtez pas. Alors... Non, mais c'est triste, oui. Mais c'est, non, non, c'est drôle triste, en même bon, temps. C'est la vie, quoi. C'est la vie, là. Voilà. Ma mère est morte. Alors, quand mes parents étaient donc... C'est rire de mais c'est nerveux. Normal. Mes parents, ils étaient donc très âgés et on les avait mis dans une maison de retraite parce qu'ils ne pouvaient plus se subvenir tout seuls. Il fallait les gens pour les aider. Surtout qu'ils n'avaient pas de fils, c'est ça. Pour s'occuper d'eux. Et alors, mon père, il était un peu dans la lune et il n'avait pas bien compris où il était. Il croyait qu'il était en vacances, dans un genre de VVF, un truc comme ça. Et puis chaque fois, il demandait, et puis ça lui plaisait pas beaucoup, parce que bon, il sortait de son cadre normal, à cet âge-là, changer de cadre, c'est pas terrible. Puis il demandait tout le temps, mais alors quand c'est qu'on rentre à Grenoble, c'est pas terrible, cette maison de vacances et tout ça. Bon, on dit, bah, pas tout de suite, il faut attendre un peu, tout ça. Bon. Et donc il croyait qu'il était en vacances. Et quand ma mère est morte, donc, alors la direction de la maison nous a appelé, disant, ben voilà, votre mère, c'est fini, il faut que ce soit vous qui veniez annoncer ça à votre père. Bon, on arrive, les trois enfants arrivent. Puis le père, il était là, il dit « Non, non, elle a dû aller faire un petit tour, là, je pense que ça elle va revenir tout à l'heure. » Bon, on était là, les trois enfants, on se dit « Bon, alors comment on fait? Vas-y, dis-lui toi. » Bon, bon puis finalement, c'est ma sœur qui s'est décidée à lui dire, elle dit « Ben non, voilà, c'est fini, elle est morte, quoi. » Et il a eu cette phrase extraordinaire, il dit « Ben alors, mes enfants, les vacances commencent bien. » C'est génial. C'est tellement drôle en même temps. C'est une telle belle phrase. Ça va être vite qui tenir, Derek. Une autre photo, celle de Marie-Jo Pérec, qui a pris sa retraite, elle aussi. Mais enfin, ça va encore pour elle. Elle portera la flamme olympique à Paris vendredi prochain, 25 juin, la semaine prochaine, à 14h31 précise, quai de la Mégisserie, dans la capitale. C'est très précis parce qu'avec Marie-Jo Pérec, ça va vite. Hein. Il ne faut pas la louper. À 14h30, elle peut avoir renoncé. À 14h32, être déjà repartie. Bref, il ne faut pas la louper. Mais ce n'est pas la seule des sportifs à porter la flamme olympique. David Douillet va porter aussi la torche. Et ça, c'est dangereux parce qu'il a tellement l'habitude de collecter les pièces jaunes par réflexe. Il ne faudrait pas qu'il foute la torche dans le sac à main de Bernadette. Vous imaginez un peu. Allez, une photo de David Hasselhoff maintenant, qui d'après François vient de comparaître devant la justice américaine pour conduite en état d'ivresse dans les rues de Los Angeles. Il paraît qu'en fait c'est un alcoolique notoire, il est allé même en maison de désintoxication, David Hasselhoff. D'ailleurs dans K2000, souvenez-vous, il croyait déjà que sa voiture parlait, je sais pas si vous avez vu. Et même dans le célèbre feuilleton qui l'a rendu populaire, il paraît que c'est lui qui soufflait dans les seins de Pamela Anderson parce qu'il croyait que c'était les Alcotest. Le titre est pas mal de François, alerte au Malibu. Ils auraient pu titrer aussi Tu t'es vu quand t'as Malibu. On termine par le film du jour. Mieux encore qu'Éric et Ramzy. Regardez cette affiche, le duo comique Chirac et Cramoisi. Le titre du film n'a pas changé, hein, double zéro. Le 7 juillet prochain sortira Les Gaous, un film de Igor Esca avec entre autres Richard Boringer, Tiki Olgado,
Ce sera un des derniers rôles, une des dernières apparitions de Tike Gado à l'écran. Jean-Marie Bigard, Las Palès Chevalier et Mareva Galanter. Pour ne rien gâter à ce casting assez étonnant, c'est Jean-Marie Poiret qui a signé le scénario. Et on peut dire que dans le genre comédie, il s'y connaît, puisqu'on retrouvait sa signature déjà à Jean-Marie Poiret dans Papy fait de la résistance, Le Père Noël est une ordure, ou encore Les Visiteurs. L'histoire des Gaou, c'est celle de deux jeunes gars de Dordogne qui débarquent à Paris. Pour savoir exactement ce que ça veut dire, Gaou, on va accueillir tout de suite l'une des actrices du film, une ancienne Miss France reconvertie, Mareva Galanter. Elle est accompagnée par le scénariste et producteur Jean-Marie Poiret. Vous vous faites bien accompagner, Jean-Marie Poiret, hein? Ah bah écoutez, j'ai l'air c'est un canon, ça fait toujours plaisir de se promener avec elle, on vous laisse passer partout. Mais alors, c'est quoi alors, un gaou ou des gaou? Un gaou, c'est une expression de Côte d'Ivoire pour quelqu'un qui est un peu naïf, qui débarque en ville. Par exemple, c'est un type qui n'a pas de portable encore, ou qui n'a pas encore fauché de portable. Bon, c'est un gaou. Et ce que j'ai trouvé très sympa dans le scénario, parce que vous avez dit un truc, c'est, j'ai retapé le scénario, mais ça a été écrit par des jeunes, c'est un scénario qui m'a beaucoup plu. D'abord parce qu'il montre une France multiraciale sympathique. C'est un peu l'inverse de la haine, en fait. C'est un peu l'amour, parce qu'il y a une solidarité chez des gens très jeunes, qui est, quand ils sont fauchés, quand ils déboulent, il y a plus de différences générationnelles. Et réalisateur, alors, parce que là, ces deux lettres, elles sont mystérieuses. SK, comment je dois les prononcer d'ailleurs? Igor Sk. SK. J'ai bien dit alors. Ah oui, parfait. Igor SK, réalisateur des Gaou. Bande annonce, on en reparle tout de suite. Et alors, comment ça se passe à Paris? Pas très accueillant, les Parigots. Oh, tu étais vache! Moi, je dis qu'il faut y aller. Il faut y aller. Tu vas pas te casser pour une petite engueulade de rien du tout. Jette le chat du 5e étage, tu parles d'une petite engueulade. Philippe est pas là, je suis la femme de ménage. Personne n'a droit d'entrer. Je suis son père. T'es quoi? Et ces deux portables-là, c'est quoi? Ça, c'est l'une perso, puis ça, c'est l'une professionnelle. Ton fils est une sale fiotte qui fricote avec les bougnous. Ça va pas? Tu viendras me supplier de t'en prendre et je veux te dire une merde! Putain! Comment ça frite, ce bordel? Ah, c'est hot! Oui, légèrement, ton ami campagnard. Aïe! J'ai plus puissant. Qui est Gaou ici? Les Gaou sort le 7 juillet. Elsa. J'ai trouvé ça génial. Je dois bien vous avouer, je vous resitue. Projection, que des journalistes, pas beaucoup d'humour. J'arrive, je rigole jusqu'à ce qu'on me dise de sortir parce que quand je commence à rire, j'ai du mal à m'arrêter. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ça très drôle. J'ai rigolé du début à la fin. J'ai adoré votre bande de potes. J'ai adoré le fait que vous mettiez en premier rôle des jeunes talents et que vous mettiez, que vous classiez en second rôle des mecs comme Tiki Olgado, Boringer, Bigard, Las Palès, Chevalier, etc. Bigard, j'ai même coupé les jambes en plus. Ah non, mais moi je suis fan de ce genre d'humour ultra débile. Comme ça, il est vraiment au niveau des couilles alors. Je vois mon exemple, avec tout le temps, je parie une fois. Voilà, mais on n'a pas de mais pas une fois. Alors, c'est un problème de génération. J'ai trouvé ça, j'ai la plus grande admiration pour vous. Je trouve que vous avez fait un chef-d'œuvre dans votre vie qui s'appelle Papy fait de la résistance. D'accord. J'ai bien aimé parce que je l'ai entendu répéter par mes enfants. J'en ai fait 14 depuis quand même. Attendez. Par mes enfants qui connaissaient par cœur, évidemment, le Père Noël est une ordure. Donc je n'ai aucune antipathie au départ. J'ai trouvé ce film un loupage cosmique. Alors, mais c'est incroyable. Comment avec toutes ces situations, il n'y en a pas une qui rigolote? Tous mais les poncifs, tous les poncifs sont là. Et on voit les braves types à la campagne. Et les petits qui volent le téléphone. Et son copain aussi. On est tous copains. Et puis après ça, il y a ce pauvre Boringer qui est là dans un rôle de faux Ventura. Il parle comme ça. Alors on voit ce paysan ce paysan de Périgueux qui parle. C'est la première fois que j'entends quelqu'un. Parce que ce qui est bien avec Jean-Marie Poiret, c'est que vous êtes en train de descendre son film. Et lui, ça le fait marrer. Je vous dis, moi je suis que 1 et il y a 60 millions de Français. Ah oui. Mais je crois qu'ils sont plutôt 59 millions dans mon cas. Parce que. Non, 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 non
vous dérange pas du tout que vous n'aimiez pas le film, parce qu'il ne vous est pas du tout adressé. C'est adressé à des mômes, c'est adressé à des gens jeunes. Parce que je vais vous donner l'exemple. J'ai pas de le soir se voir des mecs avec des casquettes. Honnêtement, je vais pas vous allumer. Non, vous avez raison, c'est, ce que je veux dire, c'est que quand, par exemple, on a fait des tests avec des mômes qui déboulaient du 9-3 et après on leur a posé des questions sur le film, parce que j'ai fait quand même 80 millions d'entrées dans ma vie, c'est parce que j'écoute les gens et que je ne leur impose pas forcément ce que moi, une seconde, je vais leur dire. C'est parce que vous avez fait 80 millions d'entrées dans votre vie que je me permets de vous parler comme ça. Si, vous, bon. Étiez, si, alors, si vous étiez... Ah, du coup, si je vais tourner la question. Si vous étiez un jeune producteur ou un jeune réalisateur ou un jeune scénariste qui vient de se louper, je dirais, bah, écoutez, oui, on peut aimer tout ça. Mais comme vous êtes qui vous êtes, on peut se permettre. Quand on a montré le film aux gosses et qu'on leur a posé la question, à tous les ados qui ont vu le film, la question et la réponse est arrivée, on parle de nous. Donc, vous êtes en train de dire que vous trouvez les « nous », ces jeunes, complètement cons et complètement débiles. Non, parce que je les connais, qu'ils ne sont pas comme ça. Le réalisateur n'est pas sexiste. Parce que pour une fois, en général, c'est toujours les femmes qu'on voit à poil. C'est la première fois qu'on voit autant de fesses d'hommes. Il y a une scène où on voit une dame assez grosse qui fait pipi sur un lavabo, comme ça. Et il y a un gros plan pendant 10 minutes. Non mais adieu le splendide, bonjour Jean Giraud. Non mais c'est ça qui est terrible. Il n'y a quand même rien de grave, il n'y a rien de catastrophique. C'est de la légèreté, c'est du cinéma. C'est drôle, c'est donc fait pour les ados. C'est vrai qu'il doit y avoir un problème de génération. Vous êtes très proche, dites-moi. Elle est merveilleuse. Et en plus, elle est venue dans ce film casser son image de jolie fille en faisant des conneries. Oh oui, c'était vraiment ça. Oh non, jolie fille, elle est super moche dans le film. Vous plaisantez ou quoi? Elle est magnifique. Mais tu la vois, à mon avis, même. Elle ne sera jamais moche. Elle ne sera jamais moche. Ah non, vous ne serez jamais moche. Vous voyez que je suis positif. Merci. Derek. Écoutez-moi. Non, mais moi, je ne l'ai pas vu parce que. Finalement, je préfère pas voir les films dont on va parler pour pas me laisser influencer par mon propre goût, si vous voulez. Il y a et puis je suis pas idiot, je vais pas dire du mal, je vais pas risquer de dire du mal d'un réalisateur qui peut peut-être m'engager un jour. Hein. Un jour ou plusieurs jours, même, je préfère. Ça, c'est drôle. Les Gaous, ça sort le 7 juillet prochain avec à l'affiche, entre autres, Maréva Galantor ici présente. On ne vous a pas posé trop de questions, je voudrais quand même en profiter, Maréva. D'abord, est-ce qu'il y a d'autres films qui se préparent avec vous? Est-ce que ça y est, la carrière de comédienne s'annonce bien? Oui, enfin en tout cas, je suis très contente. Je suis en train de tourner un petit film japonais où je joue le chat Kitty, chat japonais. Ah oui, le fameux chat Kitty, que tout le monde s'arrache. Exactement. Elle est petite, elle est grosse, c'est moi qui ai dû jouer. Non mais c'est une Kitty un peu décalée. Et je vais commencer La Panthère Rose au mois de juillet. Le remake de La Panthère Rose. Voilà. Des nouvelles de Madame de Fontenay autrement? Non. Non, non. Non, pas... Il paraît qu'elle est très contente. Que vous ne soyez pas allé dans la ferme, elle est ravie elle-même. voilà, au moins si elle est contente de ça. Eh bien, j'espère que les spectateurs s'amuseront avec vous et avec les Gaous, signé Igor SK, un scénario et une production, Jean-Marie Poiret. Merci à tous les deux. En 10 ans, la chirurgie esthétique a connu une véritable révolution. Les gens sont en effet de plus en plus nombreux à vouloir se faire refaire, soit le nez, la bouche ou les seins. Mais la tendance aux États-Unis aujourd'hui, c'est de vouloir ressembler à une star. Les femmes, par exemple, demandent de plus en plus souvent, paraît-il, qu'on leur fasse les lèvres d'Angelina Jolie ou le nez de Nicole Kidman. Chez les hommes, paraît-il, la tendance, ce serait plutôt le nez de Keanu Reeves ou les mâchoires de Johnny Depp. Bon, voilà ce qui a le succès en ce moment aux États-Unis. En France, pas trop encore. Hein, pour l'instant, on ne connaît personne qui a encore réclamé le nez de Gérard Depardieu ou la poitrine de Jane Birkin. Ça ne marche pas comme aux States. Thierry Marquet a lui risqué de se faire refaire le portrait puisqu'il a testé pour nous s'offrir un visage de star. Regardez cette caméra cachée signée Julien Ayron et après on parle de la chirurgie esthétique façon star. Bonjour, Thierry Marquet. J'ai testé m'offrir le visage d'une star. Bah Julien, je suis déjà une star, non? Bonjour. Bonjour. Je supporte plus du tout mon visage. Ouais. Et ce que j'aurais aimé avoir, en fait, c'est un visage de star. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait un photomontage. Ouais. J'aimerais avoir les cheveux de George Clooney, les yeux aussi, le nez de Leonardo DiCaprio. Ouais.
Et la fossette de Kirk Douglas. Je vais vous dire honnêtement, ça fait 18 ans que je fais ce métier. Hein. J'aime pas quand on me dit ça en fait. Quelqu'un qui me montre ça, qui me dit je voudrais ressembler à ça, pour moi c'est pas une bonne indication. La chirurgie physique, c'est la chirurgie psychologique. Hein. Vous me montrez une photo avec Clooney, DiCaprio, Kirk Douglas, etc. Vous serez toujours pas ni DiCaprio, ni Clooney, ni Kirk Douglas, c'est toujours vous. Mais moi je sens pas les choses, honnêtement. Et quand je sens pas les choses, je préfère dire non. Bonjour. Bonjour. J'avais emmené un photomontage parce que je voulais avoir les cheveux et les yeux de Georges Clooney, la bouche de Leonardo DiCaprio, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et le menton et la fossette de Kirk Douglas. Oui, c'est possible. J'ai vu une personne, donc c'est un homme maintenant, qu'on lui a retapé tout, hein, donc cassé la main. Enfin, casser la mâchoire. Ah, oui, hein. Ah non, moi je suis prêt à me faire casser la mâchoire si c'est pour. On lui a refait le nez, on lui a refait les dents, on lui a refait le front, donc vous êtes vraiment prêt à. Ah oui, moi je suis prêt vraiment à tout transformer le visage. Quoi. C'est faisable. J'aimerais avoir un visage de star, c'est-à-dire un visage un peu à l'américaine. J'aimerais ressembler à ça. C'est-à-dire avoir le haut de George Clooney, la bouche de Leonardo DiCaprio et la fossette de Kirk Douglas. Vous avez déjà une fossette. Regardez là. Vous avez déjà un menton en deux parties. Pour un chirurgien esthétique, avoir quelqu'un qui lui apporte ça, c'est catastrophique, il n'y a pas pire. Moi, au début, j'acceptais assez bien mon visage. Mais depuis que je suis avec Julien, en fait, il me dit que. Enfin, lui, je sais qu'il aime beaucoup les stars américaines, tout ça, donc je me suis dit, autant lui faire plaisir. Bah, faut vivre avec Leonardo DiCaprio, monsieur. Ça, vous ressemblerez jamais à ça, hein. Il est quel âge? 45 ans? Mm-hmm. Et vous en avez 28, attends. Ah, mais si on me vieillit un peu, c'est pas très grave, parce que lui, il aime bien le côté un peu vieilli, ancien. S'il vous aime, il vous prend comme vous êtes, hein. Et s'il aime un homme de 45 ans, il en prend un de 45 ans. Mais vieillir quelqu'un parce que son petit ami préfère qu'il soit vieux, c'est de la folie douce. Hein. Oui, s'il a envie d'avoir un vieux, il a qu'à prendre un vieux en plus. Vous pouvez aller voir un bon psychiatre, ça ira mieux. On n'a pas pu avoir Michael Jackson. Donc on a fait venir un chirurgien esthétique qui s'appelle Jackson. Pierre Naon. Alors dites-moi si en France, c'est comme aux États-Unis où cet institut de Beverly Hills a publié la liste des demandes des clients. Alors on l'a dit, les lèvres d'Angelina Jolie par exemple, le nez de Keanu Reeves. Est-ce qu'en France, il y a des clients qui viennent vraiment en disant « Je voudrais, je sais pas moi, les yeux de Marie Laforêt, le sourire de Béatrice Dalle, je vous en passe. » Ça m'inspire deux choses. Un, l'image, enfin la place démesurée de l'image aujourd'hui par rapport à toutes les autres valeurs. Et ça... un peu grâce aux médias, on pourra en parler. Ou à cause. À cause. Mais bon, là, Laurent, il a fait exprès de prendre des filtres abordables. Non. Ou pas. Et deuxièmement, le côté extraordinairement mercantile des praticiens qui acceptent de faire ça. Vous voyez des gens qui ne veulent même plus assumer leur identité et qui veulent prendre l'identité de quelqu'un d'autre parce que c'est l'image extraordinaire du succès et de la réussite. Et ça, c'est dramatique. Et aujourd'hui, on est dans un marché de la chirurgie esthétique qui profite de ça, mais à plein gaz. Monsieur, vous êtes bon apôtre, comme on dit. Non. Parce que, écoutez, s'il n'y avait pas cette folie du paraître et cette folie de l'image, on en resterait à la vraie chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique n'existe pas, comme vous le savez. Il y a ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice. Non, monsieur. Chirurgie esthétique, ça existe. C'est une spécialité chirurgicale qui s'appelle la chirurgie plastique. Reconstructrice et esthétique. Attention à la dérive mercantile de la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, on crée une image à qui tout le monde veut ressembler, avec. Et vous voyez. Vous me montrez, il y a des gens qui viennent en disant je voudrais ressembler à Laurent Ruquier. Probablement. Coé, je t'en prie. Probablement. Et grâce à cette demande incroyable, on trouve toujours quelqu'un qui va dire « oui, je peux le faire ». Et ça, c'est pas de la chirurgie, c'est du commerce. Chez les gars, pourquoi n'êtes-vous pas plus vigilant, et le Conseil de l'Ordre? Est-ce que vous ne radiez pas les gens qui vont rue Saint-Denis et qui prennent des malheureuses prostituées et qui leur disent « on vous fait un crédit ». Oui, non, mais pas que les prostituées, non, mais non, vous... Non, je veux vous... dire,
c'est tout le monde. Des personnes sont plus vulnérables que d'autres. Oui, mais tout le monde est vulnérable dans ce sujet. D'abord le ventre, après les seins, après le nez, après les lèvres, oui, mais... après les coins des yeux. Vous travaillez pour 6 ans. Mais je suis d'accord avec vous. 5000 francs par mois. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire le prix des traites de ma Porsche. Oui, mais. Mais oui, c'est comme. Est-ce que ça se passe comme ça ou pas? C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Oui. Comment tu connais les filles à Rissani? Comment tu connais les portes? Parce qu'il sait faire faire. Je vous demande pourquoi est-ce que ces gens-là qui sont la honte de la médecine, qui est pour moi le plus beau métier du monde, je le dis. Vous avez raison. Bon, la honte de la médecine, pourquoi ces gens-là, il y a cet esprit de corps et qu'on ne les vire jamais. On ne les vire pas, ceux-là. Ils continuent à exercer et ils continuent à faire le mal. C'est impossible, monsieur. Il y a des lois. Dans tous les domaines, il y a des lois. Il y a des lois qui sont très claires en médecine, il y a des lois qui sont très claires, j'imagine, en publicité, en télévision, et qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les lois. Et tous ces gens-là, soit on les poursuit sur des plaintes de patients, voire même de médecins. Enfin, les patients, ce qui reste des patients, parce qu'en général... Maureen Moi, à la fois, je pense que les gens qui viennent dire « je voudrais le nez de Nicole Kidman, la bouche de Julia Roberts, j'en sais rien », ils veulent pas ressembler à Julia Roberts, ils veulent avoir une image. Si, à partir du moment où ils veulent changer quelque chose, ils disent « bon, ben, je voudrais bien que ça s'approche un peu de ça ». Non, puisque... non, mais bien sûr que dans toute demande de chirurgie esthétique et donc de transformation d'un défaut, c'est intéressant d'avoir l'image idéale que se fait la patiente de la future, disons, le futur résultat de son opération. Mais donc ça vient comme une indication. Mais ça ne va pas fonctionner forcément avec le visage de cette personne. Non, vous êtes souvent confronté à des personnes qui vous amènent un nez, par exemple, qui une fois sur rien. La personne, n'irait pas du tout avec la morphologie. Dans ces cas-là, il faut lui dire non, madame, avec le nez que vous avez, je ne peux pas arriver à ce résultat. Ce n'est pas une bonne indication pour vous. Non, mais vous exagérez beaucoup. Ah, pardon. Allez-y, Isabelle. Non, mais j'exagère, on est d'accord. Non, mais vous aussi, vous exagérez souvent dans vos. Ah non, moi, par exemple, vous me parlez de dérive mercantile. Moi, regardez-moi, je suis refaite de partout. Vous ne croyez quand même pas que ça, c'est naturel. Vous n'avez pas payé cher. Et les oreilles. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai pris un chirurgien qui ne m'a pas pris cher. Il faut dire qu'il n'avait pas fini ses études. J'ai appris par la suite d'ailleurs qu'il ne les avait pas commencées. Il est devenu boucher rue Beaurepaire. Et puis, je ne me porte pas plus mal finalement. Alors, L'idéal, c'est d'avoir affaire à un chirurgien. Et aujourd'hui, il y a énormément de praticiens qui ont des qualifications plus ou moins claires. Mais qui n'ont pas suivi un cursus de chirurgien. Ouais, moi, je trouve ça très grave. Je trouve que la chirurgie esthétique est très bien quand on a vraiment un très gros problème, un truc qui, moralement, dans notre vie, nous accable et nous empêche d'avancer. Exactement. Mais je trouve aussi que quand on voit la tonne d'émissions de télévision qui parlent des chirurgiens esthétiques, et sans parler des États-Unis où carrément ça devient de la real TV, je trouve que ça va très loin. Mais ça, demander c'est de votre le nez faute. D'une star. Mais non, comme... mais ça, c'est de la faute des médias. Excusez-moi, je vous arrête. Ouais. Vous allez prendre toutes les chaînes françaises qui diffusent des reportages en permanence sur la chirurgie esthétique, sans vérifier aucune information, en invitant des gens qui souvent ne sont pas qualifiés, qui viennent chercher les 10 ou 15 exhibitionnistes qui circulent dans Paris pour venir s'exposer. Pourquoi ? Parce que les chaînes cherchent le spectaculaire. Ce qui va faire pleurer les gens dans les chaumières. Enfin, ça arrive tous les jours dans votre cabinet, ça. Alors, puisque vous en êtes à accuser les médias, il faut aussi dire les choses comme elles sont. C'est une dérive de quelque chose de bien plus large. Mais qui est que désormais, les gens vivent leur vie par procuration. Avec la Real TV, qu'est-ce qu'ils font d'autre que regarder la vie des autres et ne pas vivre la leur? C'est pareil pour la presse people et tout ça. Et maintenant, la dérive absolue, c'est que non seulement on regarde la vie des autres, mais on essaye de s'identifier en changeant son visage pour celui d'une célébrité. C'est l'aliénation ultime. J'aimerais qu'on regarde justement ce que ça donne pour peut-être décourager certains de nos téléspectateurs. Par exemple, quelqu'un comme Pierre Bénichoux qui réclamerait les joues de Johnny Depp. Regardez ce que... Voilà. Hein? Ah, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Ah, ça ne change pas des masses. Ça ne change pas. Regardez avec les joues de Johnny Depp. Raphaël Mesrahi rêvait d'avoir la bouche de Jude Law. Ah, la tête. Elsa Fayer avec les yeux de Catherine Zeta-Jones. Oh, c'est affreux. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, non. Mais c'est le maquillage qui fait tout. Regardez, mais je suis vachement mieux au naturel. Non. Isabelle, 11 ans, pardon, on a choisi de vous refaire faire la bouche. Je me demande pourquoi. Je ne sais pas. La bouche d'Angelina Jolie. On dirait Carole Amier, le gendarme des culs. Ah bah c'est mieux, j'aime mieux moi. Docteur Naon, vous êtes spécialiste en chirurgie et qualifié en chirurgie plastique. On va rappeler que vous aviez publié chez LCCI la vérité en chirurgie esthétique. Allez, on vous remercie.
allons maintenant accueillir l'un de nos tout meilleurs marins, un héros français, Michel Desjoyeaux. La semaine dernière, il a remporté la 12e édition de la Transat anglaise en solitaire entre Plymouth et Boston avec un temps record de 8 jours, 8 heures, 29 minutes et 55 secondes pour être très précis. Et ce skipper ajoute donc la Transat à son palmarès déjà bien garni, un des plus beaux palmarès français, la Route du Rhum, le Vendée Globe Challenge, la solitaire du Figaro. Bref, il a tout gagné. Ce qui serait sympathique maintenant de sa part, c'est qu'il prenne en stage Olivier de Kersauzon. Nous allons tester c'est pas sympa, là, hein. Michel Desjoyeaux. Non, quand on est un marin aussi titré, c'est bien de prendre des jeunes en stage lui-même, à commencer avec Éric Tabarly, je ne me trompe pas. Oui, on peut dire ça. Et cette Transat là que vous venez de remporter, de gagner, c'est une Transat qui a justement marqué la carrière de Tabarly. Oui, Éric a gagné cette Transat en 64 et 76. Et après ça, tout le mouvement de course au large a démarré, notamment en solitaire. Et je crois qu'aujourd'hui, on est tous un peu les enfants d'Éric. Ils sont que deux, d'ailleurs, je crois, à avoir deux fois gagné cette Transat. Oui, Éric Tabarly et un certain Loïc Perron. Voilà. Vous aimeriez, vous aussi, en faire autant, gagner une deuxième fois? J'en ai déjà fait une. On va doucement, la prochaine, c'est dans 4 ans. Avant de donner la parole à mes camarades, je voudrais signaler que votre éditeur, très malin, Gallimard, réédite ce livre que vous aviez signé avec Éric Coquerel et Régine Bornens, j'espère que je prononce bien son nom, L'enfant de la vallée des fous, Michel Desjoyeaux. Sauf que maintenant, il y a un joli bandeau rouge dessus, vainqueur de la Transat anglaise 2004. C'est à nouveau en librairie. Maureen, impressionnée? Super impressionnée, vous êtes le premier marin que je rencontre. Et alors, je peux aller vous embrasser, j'ai décidé de commencer une nouvelle collection. Je vais commencer la collection des bisous de grands hommes, grands hommes. Bah, commencez par vos deux voisins déjà. Voilà. Donc, bisous avec vos amis. Ça, c'est bisous. Ah, voilà. Bientôt, il veut piquer le rôle d'un moine. Je commence. Vous êtes le deuxième. J'ai eu Henri Salvador qui m'a un peu touché les seins au passage. Je vous remercie déjà. J'ai rien fait. Je vois que le marin est beaucoup plus sobre. Ou alors. Même après une semaine en solitaire. Oh, enfin, oh. On peut pas dire d'un marin qui branle rien. Il branle l'humain comme il arrive. Magnifique, c'est tellement. Alors, moi, je voudrais vous dire, j'ai la plus grande admiration pour un homme tout seul qui est sur un bateau comme ça, qui traverse les mers. Bon, d'abord. Kersauzon m'a dit un jour qu'il arrivait d'avoir si peur qu'on crie des fois tellement. Certains pleurent, il me dit, moi, il m'arrive de crier, de hurler tout seul, tellement on a peur. Donc, je vous dis, c'est une aventure humaine formidable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous criez? On peut lui demander. Oui. Pendant le Vendée, ça m'est arrivé, ouais, quand j'en avais tellement marre de ne pas réussir à démarrer ce foutu moteur, qui était indispensable pour la survie de l'espèce, on va dire. Et là, pendant les 8 jours, je n'ai pas eu le temps, non. Vous avez vu un calmar? On a besoin d'exutoires, parfois, aussi. Vous n'avez pas vu un calmar géant? Non, je ne sais pas. Je vais poser une question. Je préfère ne pas les voir, d'ailleurs. Vous pensez, j'imagine, que tout a commencé avec Tabarly? Eh bien, moi, je pense que tout a fini avec Tabarly. Parce qu'il y avait une aventure de la mer qui était formidable. Tabarly a donné une telle popularité à ce truc-là que tous les progrès techniques s'y sont mis, toutes les firmes, tout l'argent, tout le truc, et que c'est devenu comme la Formule 1. Et la Formule 1, c'est du commerce. Mais ça n'enlève rien à la difficulté de traverser. Je ne vous parle pas, mesdames, je parle à un marin. Nous parlons entre marins. C'est pas vrai. C'est la dernière aussi. Hein. Ça a été là. Il y a, non mais c'est un jour un alpiniste qui faisait qui était dans l'Antarctique, qui disait, moi heureusement que j'avais ma brosse à dents verte parce que tant de blanc, j'avais besoin de voir du vert. Est-ce que vous aussi, quand vous partez peut-être plus pour le Vendée Globe qui est beaucoup plus long, vous prenez comme ça une photo d'un paysage, de montagne, parce qu'au bout d'un moment, est-ce que la mer, ça vous... C'est chiant. Voir la mer. Oui, bah comme moi aussi. Ouais, la mère, les filles. Là, c'est sur 8 jours, on n'a vraiment pas le temps. Et puis en plus, comme tu t'es entraîné, la mère, c'est reflet changeant. Je parle avec un marin. Des reflets changeants. Elsa. Ah ouais, je suis fascinée. Pour moi, une traversée en solitaire, c'est impossible. Donc bravo, mais vous n'êtes pas personne à qui parler. Ah oui, non, mais moi, j'ai besoin de monde, j'ai besoin de parler. Je ne sais pas comment vous faites. Est-ce que vous voulez fuir la réalité en partant sur votre bateau ou est-ce que réellement, c'est un défi?
Oh la vache. Alors, vous avez pris une autre question. Je vais vous reposer une question. Non, je pense que fuir la réalité. Maureen Dorr et Elsa Fayer, toutes les deux sur un bateau, même les mouettes se tirent. Derek. J'aurais des questions plus pratiques à vous poser, parce que c'est vrai que les jeunes qui nous regardent sont intéressés par ce que vous faites. Il y a des questions pratiques qu'on n'aborde jamais, par exemple. Bon, j'ai vu le Vendée Globe, 93 jours. Alors, combien vous emportez de slip, par exemple? Un tous les 4 jours. Ça fait 20, 22 ça fait déjà slips. Beaucoup. Et au retour, vous avez... Des petits bateaux, évidemment. Alors au retour, vous arrivez... C'est mon métier. Vous arrivez avec 22 slips sales, hein. Ah ben c'est Madame Desjoyaux qui va être contente, hein. Non, mais ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas vu la bête. Et réciproquement. Dernière question. Combien de rouleaux de papier hygiénique? Oh. Ah bah attends, vous faites, les besoins, vous les faites tout, par exemple? Quand tu changes de slip tous les jours. Bien sûr. Là, c'est biodégradable, c'est totalement... Ouais. Et on ramène toutes nos poubelles, on ramène tous les plastiques, il n'y a pas de problème là-dessus. Raphaël Mesrahi, qui est parrain lui-même d'un navigateur. Ouais, de Monet. Mais j'ai une passion, mais je vous aime, j'adore les navigateurs. J'adore Kersauzon, Vandenen, vous, voilà, j'ai une vraie passion, et j'y connais rien en voile. J'ai le mal de mer. Et non, voilà, c'est pas du tout mon truc, mais voilà, j'ai une passion pour vous, bravo. Et vous faites partie des plus grands. On vous compare à Tabarly, Alain Colas ou Loïc Perron, et vous venez de remporter la Transat Plymouth Boston. Et rassurez-moi, comme tout le monde au début, vous avez ramé. Oui. Oh, je dis oui. Voilà. Allez. C'est ça, la différence avec vous, c'est que vous continuez. Ouais, vous n'êtes pas souvent chez vous, alors en fait comment pour vos relances d'électricité ou les PV que vous n'avez pas payés? C'était la transat en solitaire de Raphaël Mesrahi. La traversée, on a tout essayé. Elle était facile, cette transat, ou pas? J'ai l'impression que pour vous, elle a été facile. Bah, quand on est devant, c'est toujours plus facile, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut être devant. Pourquoi? Bah, parce qu'on est plus motivé pour y rester. C'était serré, quand même. Qui était juste derrière vous? Un certain Thomas Coville. Voilà, qui quand même n'était pas si loin. Qui a été en tête avec moi pendant les deux premiers jours. Après, j'ai réussi à le semer. Et est arrivé, finalement? Deuxième, 3 heures derrière moi. 3 heures seulement? Non, mais c'est peu. Vous imaginez un peu pour la traversée Plymouth, Boston, 3 heures derrière. C'est rageant. Vous jetiez des pierres sur sa voile. En 3 heures, on ne le voit pas, heureusement. Combien vous serez à bord de cette course Québec-Saint-Malo? On sera 6 à bord de Géant. Toutes les places sont prises? Rajouter des lignes. Je vous ne le conseille pas. C'est pas pour moi, c'est que j'aimerais bien que vous en emmeniez un ou deux. Si vous deviez emmener... Ah bah les trois. Les trois filles. Ah ouais, non, pas de jaloux. Ouais. Maureen Dorr, Elsa Fayer et Isabelle Alonso. Je serais bien embêtée, moi. Quel gourmand, alors. Moi, très embêtée. Ouais. On me paierait que j'irais pas sur un bateau. Pas à cause de vous. C'est un truc à attraper. Non, mais c'est des trucs de mazo, le bateau. C'est un truc à attraper des monocoques, des trucs... On va vous remercier. Vous féliciter, vous souhaiter bonne chance. Je sais pas comment on dit, s'il y a un mot... Merde. Merde, pareil pour le spectacle. Pour une fois que c'est pas un gros mot, alors, merde pour la... C'est pour le transit en solitaire, ça. Merde pour la course Québec-Saint-Malo et bravo encore pour la dernière transat Plymouth-Boston. Et on va rappeler ce livre, L'enfant de la vallée des fous chez Gallimard. Merci Michel Desjoyaux. Merci. Le tac à finir maintenant, entre nous. Attention, équipe Bénichou, on va l'appeler ainsi, contre équipe Maureen Dorr. C'est parti avec Michel Hidalgo, notre premier taca. Les Bleus peuvent gagner l'Euro 2004, a déclaré Michel Hidalgo. C'est un pronostic, mais il y a... Des efforts à faire pour le Mondial 2008. Non. Il y a les autres. Il y a d'autres joueurs, ouais, d'autres équipes. Il y a l'Allemagne. L'Angleterre. C'est moins précis que ça. Ah, une grosse concurrence. Il y a des concurrents. Il y a des concurrents. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y aura des sacrées étapes avant d'y arriver. Plus simple que ça. Des buts à marquer. Non. Il faut gagner. Du boulot. Mais il y a l'Euro. Les Bleus peuvent gagner l'Euro 2004. Les Bleus peuvent gagner l'Euro 2004, mais il y a... Mais il y a du boulot.
Non. Il y a des, il y a de la concurrence. Des équipes solides. Alors, il y a de la concurrence, c'est ça que ça veut dire. Il y a des équipes solides. C'est plus simple encore que ça. Il y a des adversaires. D'autres équipes. Il y a des, équipes solides. Il y a quoi? D'autres équipes. D'autres équipes qui quoi? Qui peuvent gagner aussi. Ils peuvent gagner. Bravo Derek et Mejvahi. Bravo, je crois qu'à finir. Michel Mouillot sort un livre à propos de ses déboires judiciaires et il déclare « Je n'avais pas fait l'ENA, l'école nationale de… » L'arnaque. Pas de l'arnaque. Non, de la… De la politique arnaque. Non. Ça commence par un A. Ça commence par un A, vous l'avez compris, contrairement à Maureen Dor. De l'arrivisme. Elle s'y connaît, elle a gagné, c'est Elsa Fayer. Vous sortez d'où, ça? De ma tête. Non, attends, attends. Je suis peut-être conne, parce que j'avais pas compris que ça commençait par là. Ouais. Mais elle, elle est là. Non, mais parce que tout à l'heure, quand j'ai préparé l'émission, j'ai noté dans la presse cette phrase que j'avais trouvée absolument fabuleuse, et j'ai noté en me disant, je vais briller en société tout à l'heure, en le ressortant au dîner qui était prêt. Eh ben, c'est vrai. Eh ben, je l'ai ressorti là. Bon, eh ben, c'est loupé. Eh ben, c'est un point pour nous, n'empêche. Merci. À l'égalité, parfaite. Qu'est-ce que tu vas dire au dîner, alors? T'as qu'à finir suivant. Jamel Debbouze déclare. Il m'est arrivé des trucs de fou depuis 3 ans. J'ai tourné avec Spike Lee, Alain Chabat, Jean-Pierre Jeunet. J'ai quelque chose. J'ai déménagé de Trappes à Saint-Germain-des-Prés. Qu'est-ce qui lui est arrivé de fou encore dans cette liste? Il a pris le métro? Non. Couché avec Adriana Carambeu? Non. C'est quelque chose qu'on a tous fait depuis 3 ans. Quasiment, je pense. J'ai voté. Bah, j'ai voté Chirac. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. À deux. C'est l'équipe Bénichou qui gagne. Yeah, no, 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 no.